surtout une visite de solidarité. Exprimer ma solidarité au peuple congolais, au peuple du Nord Kivu. J'ai visité Goma déjà plusieurs fois dans le passé en tant que haut-commissaire des réfugiés. Et j'ai une énorme admiration pour la résilience et la capacité du peuple du Nord Kivu et du peuple congolais. Congo, mais pour toute l'Afrique et le monde entier, nous sommes entièrement à côté des autorités congolaises dans la lutte contre l'ADF. Naturellement, notre appui aussi aux autorités congolaises pour que les groupes armés soient progressivement éliminés et que l'autorité de l'État puisse répondre partout. La sécurité du peuple congolais et du peuple du Nord Kivu est pour nous une priorité essentielle. Et après, tous les aspects de coopération pour le développement et pour la réponse humanitaire. Naturellement, il y a aussi aujourd'hui des préoccupations majeures vis-à-vis de la santé. Il y a la rougeole, il y a le malaria, il y a le choléra et maintenant le drame terrible de l'Ebola. Nous sommes entièrement à côté des autorités congolaises et du peuple congolais pour essayer de mieux répondre à tous ces défis. Je vous remercie infiniment de votre gentillesse et je réaffirme que cette visite est une visite de solidarité et pour exprimer mon admiration au peuple congolais et en particulier au peuple du Nord Kivu. Merci. Merci. S'il vous plaît, on reste maintenant. Ah oui, très bien. Reculons un peu, on prend une photo. Reculons, reculons, s'il vous plaît. Non, pas encore, attendez. D'abord, lui exprimer la reconnaissance de la République démocratique du Congo, surtout du peuple du Nord Kivu, pour la solidarité de la communauté internationale. Comme vous le savez, nous sommes confrontés à plusieurs défis, dont le défi de la maladie à virus Ebola. Vous êtes tous témoins que la communauté internationale s'est mobilisée aux côtés des autorités de la République, le président de la République, mais aussi tous les affaires du Nord Kivu qui ont travaillé sur la question de la maladie. Et nous avions bien salué cet apport, nous avions exprimé la volonté de la population du Nord Kivu de voir qu'après Ebola, qu'il y ait aussi des activités de développement pour l'amélioration du système de santé publique à la République démocratique du Congo. Nous avions effectivement exprimé la volonté de voir toujours les forces des Nations Unies, surtout les forces d'intervention de la MONUSCO, appuyer les opérations contre les ADF Nalu. Comme vous le savez, la communauté internationale est mobilisée dans beaucoup de pays pour arrêter l'aventure meurtrière des terroristes tels que dans les pays sahéliens, le Mali et même aujourd'hui avec le Nigeria. Nous avions voulu voir, effectivement, exprimer au secrétaire général des Nations Unies qu'il puisse continuer à mobiliser la communauté internationale pour la République démocratique du Congo contre les ADF Nalu. Et nous avions aussi échangé du développement général de la République démocratique du Congo. Comme vous le savez, les causes de l'insécurité, c'est aussi le sous-développement. Nous voudrions bien voir la communauté internationale aux côtés de la République démocratique du Congo travailler sur les poules économiques pour que les enfants qui sont mobilisés pour les groupes armés puissent effectivement trouver de l'emploi, s'engager vers le développement de la République démocratique du Congo. Merci. Pour votre excellence, monsieur le gouverneur, cette visite, une première, vous comme gouverneur, elle est pertinente et importante. Oui, effectivement. Laisse la République démocratique du Congo, spécialement le Nord Kivu, confronté aux grands défis, je venais de le souligner. La question de la sécurité, c'est une question prioritaire pour la République, mais aussi pour la communauté internationale, parce qu'en fait, vous avez vu notre président de la République faire beaucoup de diplomatie, aller même dans les pays qui nous entoure pour que la paix revienne dans la région. Et nous sommes confiants que l'arrivée du secrétaire général, c'est un signal fort pour ces défis-là. Et nous pensons que nous devrions capitaliser son arrivée pour que tous les partenaires, tous les pays qui contribuent à la riposte contre la maladie à virus Ebola puissent s'engager aussi dans les activités après Ebola. Merci.